Lors du dessert, après le repas avec Tifounette. Regarde dans le frigo là, il s'est occupé. Eh mais lui il mange des dinosaures, ça me fume. Lui c'est un psychopathe, il mange des dinosaures les gars. T'as vu les gens ils font des documentaires sur le Titanic, sur le sous-marin. Faites un documentaire sur lui, comment ça se fait qu'il a... Comment il peut manger encore des dinosaures? J'ai son jeu là. Tu vois rien ou quoi? Mais c'est... Une fois j'ai vu quoi? Une fois les gars j'ai vu une dinguerie. Il avait pris deux tranches de pain de mie. Il a mis de la mayonnaise, un poussin, et après il avait remis une tranche de pain de mie, il l'a mangé comme ça. Non mais... Et il avait mis un poussin. Voilà maman, salam alaikum. Actuellement je suis à 6 heures de route de la maison, dans une campagne. Je capte pas, j'ai pas de réseau, j'ai pas de 4G, pas de 5G, rien. J'en profite pour dire un truc, voilà. Maman, tu montreras ça à papa? Il est parti en vacances en fait, il cherchait son coste là. C'est one kill les frérot. Voilà, j'ai... C'est ton jogo, force à Watt. Il y a des coqs, des chiens, des chèvres, des chats, des chatons partout. Et les gars, je me suis perdu, wesh. À ton avis, il est de quelle origine celui-ci? Moi... Russe. Je dirais elle est... marocaine. Ok. Et italienne. Okay. Et toi, c'est quoi ton origine? Alors moi, je suis... Sénégalais et algérien. J'en avais entendu C, c'est pour ça. Attends, quoi? Rien. Vraiment? Yes. One, two, three. Ouais. Viva l'Algérie. Non mais attends, pour de vrai ou tu rigoles? Non, pour de vrai, hein. Ok. On peut faire deviner ton origine aux... Ça m'étonne pas que ce soit algérien. Vu ce qu'il porte dans les mains, là. D'autres ou pas? Ouais. Vas-y, je te prends en photo, alors regarde, là. Il est de quelle origine, celui-ci, que je viens de vous montrer? Ils ont tous un gun, là, les gars. Ok, polonais. Non. Polonais, non. C'est un Algérien. Ah ouais? Ouais. Ah, bon. Et vous, c'est quoi vos origines? Marocaine. Et toi? Oh, les gars, il est masterclass. Je crois un jour, je vais aller voir le maire de ma ville et je vais lui demander si... Je vais demander au maire de ma ville si on peut faire une bataille d'eau générale un jour. Un jour, on fait une bataille d'eau générale dans toute la ville. Non, ou dans tout le centre-ville. Eh, c'est pas une idée de psychopathe, les gars? Ça a déjà été fait ou pas? Zama, on bloque le centre-ville et bataille d'eau. Générale. Ça va ramener des vraies armes. Ça va trop être la merde. Mais déjà, sans bataille d'eau, c'est la merde dans ma ville. Ceux qui savent, bah vous savez. Nous, il y a des batailles de pistolets, mais de vrais. Pour Dahak, ils font ça, pour Dahak. je pense qu'il faut mieux éviter. Dangereux de fou. En ça, c'est quasi impossible, je pense. Ah ouais? Ça serait vraiment une dinguerie. Okay, je peux faire deviner une... Ouais. Justice pour l'INSEE. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo, car pour ceux qui ne savent pas... C'est quoi l'INSEE, les gars? C'est TikTok, il y a 3 ans, je faisais énormément de POV. Sur tout ce qui... Ok, un humain. Merci infiniment d'en parler, comment ça? Mais c'est qui? C'est passé quoi? C'était harcèlement scolaire. Et je sais pas vous, mais c'est très grave qu'en 2023, le harcèlement scolaire existe toujours. Elle s'est suicidée? C'est une personne de 13 ans qui s'est donné la mort. C'est triste, les gens. Imaginez, la gamine, elle avait toute sa vie devant elle. Et se l'a enlevé, tout ça. Rest in peace. POV, le gynéco me dit de bouger. Me dit de bouger pour accoucher. Hein, c'est quoi ça? Il mire à l'intérieur, lui. Oh, le truc là. Le truc là. Non, pas le truc. Comment on appelle un bébé déjà dans le ventre? Un foetus. Un foetus. Si t'arrives à faire ça, je suis ouf. Tu gagnes un abonnement Fitness Park. Allez, Nino! Oh non, non! Oh, je suis faible! Oh, jure! Khabila, il est avec des Français et il fait un truc comme ça! Vas-y, montre! Mais non, mais il a pas compris! Faut le garder tendu, faut le. Ah! C'est... Il a pas compris! Je suis en train de chercher une banque pour retirer des sous. Voilà ma tenue. Je suis en haut de maillot, short, chemise, bien évidemment, puisqu'il fait 47 000 degrés à Paris. Et apparemment, ça choque. Bah, bien évidemment. De toute façon, je vais en faire. Bah, c'est pas atypique. Après, bon.
Elle fait ce qu'elle veut, mais voilà. C'est pas interdit un maillot de bain en ville. C'est la question que je me suis posée, mais j'avais peur de poser la question, les gars. Parce que peut-être on va me dire, ouais, Tobias, t'es pas ouvert d'esprit. Ah si, c'est interdit les maillots de bain en ville. Attendez, ça se trouve, c'est juste les bas de maillot de bain qui c'est interdit. Ah si, c'est interdit. Torse nu est égal amende. Mais elle est pas vraiment torse nu. Ouais, je sais que pour les garçons, une fois, je m'étais déjà fait contrôler torse nu. Et ils m'ont juste dit, rhabille-toi. Enfin, pas contrôler, ils m'ont juste dit, rhabille-toi. Mais pour les filles, je sais pas comment ça marche. Parce que du coup, je pense que justement, ça doit être un débat pour les féministes. En mode, ouais, les garçons, alors qu'eux, on voit leurs tétons. Et les filles, non. Je pense qu'il doit y avoir un débat. C'est sûr, il y a une embrouille. Il y a une bagarre. Ouais, mais en fait mais c'est quoi ça, là? J'étais tout nu, en fait, dans ma voiture. Juste, en fait, je devais chercher des courses. Ils m'ont dit, rabito. Moi, j'ai pas compris, tu vois, c'est pas... Maintenant, même quand t'achètes un truc privé, c'est même plus privé. Enfin... Merci Tan pour le prime. Jeudi, dit le jour des prix. Goûtez ça. Ah, ça me fout la haine, arrête. Sans aucun doute. L'homme qui a filmé le bas du firmament sous l'océan. Hein? L'une des choses les plus étonnantes que j'ai jamais vues au fond de l'océan est que j'ai filmé au large du golfe de Mexique. C'est quoi? Je savais qu'il y avait quelque chose plus loin. Mais je ne pouvais pas dire exactement quoi. Maybe if we go submerge, we can avoid the Antarctic Treaty. And we might as well find the bottom of the firmament. Ah, c'est genre le fond de l'océan? C'est quoi, les gars? Moi, ça me fascine. Ça me passionne, je sais pas comment on dit. Je veux pas. Papa, elle est pas mal celle-là. Ouais, ça doit être ça. Oh, elle est pas mal celle-là. Comment ça? Ah ouais. Comment ça, ouais? Elle est pas mal, ouais. Elle est belle, je peux y aller. Mais non, mais tu rigoles ou quoi? T'as 2 ans? Non, j'ai 4 ans. 4 ans déjà? C'est pas vite. Tu parles de quoi? Bah de la fille. Mais non, je te parle de la piscine. Non. Oh, je suis la jetée. Rien comme ça. Elle a fait Zarma, elle l'a jetée. Mais elle est où? Mathias. Je coupe mes cheveux après. Parfois ils sont pas drôles, mais là ils sont drôles. Ouais, parfois je dis, vas-y, c'est trop mise en scène, j'aime pas. 3 ans. Mais là, c'est... J'ai fini, ça y est, c'est l'heure pour moi, voilà. Romé, comment ça, il a fait une dinguerie d'ouf? Je vais tout enlever. Non. Pas tout, t'as vu, mais... Non. J'ai envie de couper tout ça. Non. Mais là, le problème, c'est que là, j'ai coupé mes cheveux. Pourquoi ici, il veut enlever? Faire mes contours à chaque fois. Parce qu'il fait chaud. Mais là, je vais couper mes cheveux, là, l'équipe. Là. C'est très compliqué, mais je vais le faire. Allez, c'est parti. Vas-y, en avant. Merde. Merde. Je coupe mes cheveux après 3 ans. Oh non, qu'est-ce qu'il fait, les gars? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, Leicester, mais non. Allah. Oh là 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 là. Non. On dirait un champignon. on dirait un champignon. Wesh! Ok, j'ai compris pourquoi Romé. Mais il a pas trop coupé, là, en vrai. C'est carré. C'est carré, les gars, c'est carré. Eh bien, vous savez, là, je peux encore me tresser, c'est ça le pire. Ça veut dire que là, c'est pas en mode, il n'y a pas de retour en arrière. Et vas-y, on va aller jusqu'au bout des choses. Encore plus? Oh! Ce TikToker a fait croire à ses proches ainsi qu'aux utilisateurs de TikTok qu'il était mort et a par la suite débarqué. Oh, j'ai vu, mes soucis. Checklist de ce que tu vas oublier à coup sûr pour aller au brevet. Un dictionnaire, car tu as droit en français. Ta convocation, ta carte d'identité, tes fiches pour réviser dans le bus, des chewing-gums car c'est exceptionnellement autorisé, de l'eau, des gâteaux,
Et des piles de rechange si ta calculatrice tombe en panne. N'oublie pas non plus de prendre... Pourquoi je regarde comme si je devais aller au brevet, là? Attendez, les gars, pourquoi je regarde comme si je devais y aller? Moi, je m'en souviens, au brevet, il y en avait un, il s'était fait recaler avec un McDo. Et au bac, un grec. Mais un grec, ils l'ont laissé. Alors qu'il aurait pu cacher dans les frites des trucs de ouf, hein. Mais vas-y, mon lycée, il était chelou, voilà. Ouais. On dit souvent que la plupart des psychopathes le sont devenus suite à une mauvaise éducation ou un mauvais traitement pendant leur enfance. Et moi, je pense que c'est vrai. Je pense que toutes les grandes catastrophes dans le monde sont en réalité la faute des parents. Et ça peut aller très vite, hein, une petite phrase comme ça pendant l'enfance. Par exemple. Maman, j'ai encore perdu aux échecs. Oh mais je te l'ai déjà dit, Oussama. Les deux tours, il faut toujours prendre les deux tours. Ah, c'est pour ça que c'est devenu des psychopathes. Ah d'accord. Ouais, c'est une dingue. Non, c'est... Non, en fait, je sais pas, c'est entre drôle et c'est une dinguerie. Le jour où j'ai voulu adopter un âne... Moi, les gars, je vais adopter un singe, mais c'est illégal en France. J'aimerais trop, voilà, avoir un mini-singe. Et t'as vu, Zarma, il m'accompagne. Comme là, je vais aller à la TwitchCon, et je vais à la TwitchCon avec le singe. Je vous jure, j'aimerais trop un mini-singe. Et à ce je le mets sur mon épaule, je le garde. Mais ouais, c'est interdit. Putain. J'aimerais trop avoir un mini-singe. Bah, va au bled. Oui, mais au bled, mais je peux pas aller au bled avec un... Enfin, je peux pas aller à la Moi, je veux aller à la TwitchCon avec un singe. C'est possible avec une autorisation, ouais, de la préfecture ou je sais pas quoi, là. J'ai vu ça. On avait tout à l'heure sur Kik. T'as pas de clé? Bah, en fait, j'ai ramené un pote. Non, mais t'as un grave problème, Marwan. Dis-moi, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que t'as? Voilà, je savais que t'allais être écrit. Explique-moi, c'est quoi ton problème? Ah, pourquoi t'es écrit encore? Ah, ou t'as cru que c'était la maison de Shrek ici ou quoi? Tu me ramènes un âne. Je t'ai dit une chèvre, t'es pas d'accord? Une tortue, t'es pas d'accord? Mais. Là, je ramène un âne, Zarma, ouais. Ça passe pas aussi? Bams! Pourquoi t'appelles pas? La porte, elle est immense. Elle est plus grande que mon avenir. Arrête d'être écrit, fais-moi un bisou. Marwan, ne me cherche pas, ne me fine pas. Laisse-moi tranquille. Attends, mais fais-moi juste un bisou. Ça va. Ramène l'âne là-bas. Qui t'a demandé de ramener l'âne? Après, tu dois t'en occuper, etc. Hein, pour les vacances et tout, c'est compliqué. Mais vous n'avez pas compris, les gars. Mais je l'emmène en vacances, mon singe. Ça devient mon sahab. Mais vraiment, je m'en occupe. Mais c'est lui qui s'occupe de lui. On va au queugré ensemble et tout. Mais oui, mais pour de ça. Je le prends dans l'avion, mais voilà que je le paye. Les gars, je vous jure, voilà, si c'était possible d'avoir un singe, si j'avais les moyens, je lui paye son billet. S'il faut, je lui paye son billet. Bah ouais. Tu peux pas, c'est interdit dans l'avion. T'inquiète, on va trouver des... Au pire, je prends un jet privé. Au pire, je prends un jet privé. Bah ouais. Mais c'est pas un humain. Tu peux pas le mettre dans l'avion. Mais si, je lui paye sa place. Bah oui. Merci Chocoluc, Chocoluc, ouais, pardon, pour le quatrième mois, merci mon ref. Et merci pour ton message, et merci Zerbax pour le tiens-moi. Ouais, je le prends partout. Pourquoi tu m'accuses? C'est moi, c'est... Merci, wait. Mais tu crois que moi j'ai un parc... Merci mon ref. Je suis plus rapide que le métro, même pieds nus. Ah, ouais. Ouais, il va courir, là. Une fille tombe d'avant. Hey, vous deux, là. Vous voulez faire un tour? Non, on veut juste... Oui, avec plaisir. Quoi? Chérie, on n'a pas de voiture. On marche tout le temps à pied. Allons. Bah normal, tu peux pas marcher en roller. Connasse, va. Marche à pied. T'as vu là, un bébé c'est nul. T'es mal, il dort. Alors qu'un singe, il est là, il bouge partout et tout. T'as capté ou pas? C'est bien un singe. Et on dehack ensemble, il bouge. Là, il bouge pas le bébé. Je suis choquée. En fait, ils m'ont bien mis la tarte qui était cassée. Et t'as vu, si un jour j'ai un bébé, je le mets sur mon épaule, on va me dire, t'es un mec chelou. Si je mets un singe, c'est banal.
Merci Kikou pour le Prime. Je me suis posée dans le salon pour regoûter avec vous la part. Elle s'assoit par terre alors qu'elle a un canapé qui doit coûter plus de 2 500 €. Bon, alors là, la vie est un peu biaisée puisque j'ai vraiment plus trop faim. Parfois, pour renta le canapé, les gars, je m'assois sans raison. Hein. Franchement, j'ai rien à faire, je m'assois. Et je suis un peu deg du... Parfois, les gars, vraiment, hors live, je fais ça. Alors, regardez, j'arrive en live. Enfin, j'arrive dans le local. Les gars, je fais ça. Hop. Après, si je vais aller à la cuisine, je fais un petit tour. Vraiment, je... Les gars, c'est mon premier loyer que je paye et je rentre à chaque mètre carré. On l'a que c'est vrai. J'ai halef, j'ai dit voilà les gars. Ah non, y a pas, là il y avait pas de blague là. Il y avait pas de blague. T'as 9 ans frérot. Oui bah je suis désolé, c'est mon premier loyer que je paye. Service et franchement ah ouais, les gars. Bénère, mais bon, c'est pas grave, ça arrive, c'est une patte brisée, ça peut se casser. Bah j'ai 9 ans alors. Théo. Oh, pardon, ma boisson brûle graisse qui m'a aidé dans ma perte de 40 kilos. V, ma boisson brûle graisse qui m'a aidé dans ma perte de moins 40 kilos. C'est quoi sa boisson? Éplucher et couper 2 petits concombres. Non, 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 c'est des marabouts, ça. Pauvre mon chien, a failli... Oh, c'est pas un robot. Oh! Attends, quoi? Eh, s'il vous plaît. Pauvre mon chien, a failli manger le chien de la voisine. Eh, s'il vous plaît, regardez comment mon chien, il a grave le seum de l'autre chien quand il le voit manger. Regarde. Une tête de la boucherie. Mais voilà que lui, c'est un ouf. Mais c'est un ouf. C'est un ouf. Et les gens, ils prennent un poulet, ils prennent... Ils prennent des côtes de porc, des côtes de veau, chiap. Lui, il dit, mets-moi 3 poussins, une tête de... Mets-moi 3 poussins, une tête d'humain, une tête de vache. Hé, hey, bien ou quoi, man? Tranquille. T'as fait un bail, hein? Ouais, toujours là, c'est comment on va. On vise pas les jambes. On s'est divisé la 57 heures. Attends, 5713 heures. Où sont tes chiens? Je suis la seule, j'aime pas les appels. Mais moi, les gars, moi, un appel, il doit durer une minute. Les gars, pour moi, un appel, peu importe avec qui c'est, hein. Un appel doit être circoncis, les gars. Un appel, les gars, j'ai... Vas-y, j'ai gardé ton téléphone comme ça. Je trouve ça nul, un appel. C'est chiant, un appel. En plus, parfois, t'as vu quand... T'es sur TikTok ou t'es en voiture, t'as de la musique. Parfois, tu reçois un appel d'un pote, de quelqu'un. T'as envie d'écouter ta musique.